On va poursuivre l'aventure. On va découvrir cette fameuse nouvelle zone. Et voir où est-ce que le jeu veut nous emmener. Il y avait écrit 25% d'objets, ça me paraît pas beaucoup. On a quand même ramassé pas mal de choses. Ça me paraît vraiment très peu. 25% d'objets, en vrai. Donc bon. Qu'avons-nous fait dernièrement? On a battu Kred, on a battu un Chorizo robot. Un corbeau est mort. On a l'armure qui nous permet d'aller dans les zones de feu, mais pas dans la lave. On a un grappin bleu. On peut tirer 3 par 3 maintenant, c'est intéressant. On peut dasher. On peut courir très très vite, à condition de bien appuyer sur les touches. On peut monter très très haut, à condition d'appuyer aussi correctement sur les touches. Ça, c'est une autre affaire, hein, bien sûr. Et là, nous sommes donc dans cette... nous partons pour Ferenia. Ah tiens, ça n'a pas sauvegardé. Ou alors... Attendez, comment ça n'a pas sauvegardé? Ferenia. Non, on allait partir à Ferenia. Ah non, ça, on l'a déjà fait. Non, c'était pas du tout ça. On revient de Ferenia sur Dairon pour partir sur Burrata. Donc Burrenia ici là. On part ici. Voilà. C'est exactement ça. Oui. On a déjà pris quelques téléportails de couleurs différentes. C'est bon, café terminé, je suis prêt. Donc, des portails, on en a pris de couleurs différentes. On a pris un portail violet, on a pris un portail jaune. On a pris d'autres couleurs aussi, mais je sais plus où est-ce qu'ils sont passés. Il y a cette zone-là qui nous paraissait très intrigante. Ici, là. Pourquoi est-ce qu'ici il y a du bleu? On ne sait pas. Je suis où là? Je suis ici. Ah mais les couleurs elles sont là. On a pris un portail violet, bleu, rouge. Non, attendez, violet, jaune, rouge, pardon. Le bleu est inaccessible pour le moment puisqu'il est là. Donc il va nous falloir plonger dans la lave. Le vert est inaccessible pour le moment également, sûrement à cause de cette porte là. Du coup ça, voilà, il en manquera encore un. Et il y a un portail orange, oui je me suis informé, qui est caché quelque part. Je suis à Kataris, hein, c'est où? Là dedans il y a un portail orange là dedans là. Reste à savoir, oui bien sûr, à savoir où. Du coup j'ai bien envie de jeter un œil là-dedans avant d'aller à Burrata. Ouais. Pour ça il faut que j'arrive ici. Que j'arrive de Dairon par là-haut. Ouais, c'est ça. Et donc que j'aille à Kataris par la droite ici. Pour ça, il me faut descendre, puis partir à droite dans la zone verte. Est-ce que j'ai le droit? Pas grand-chose qui pourrait m'en empêcher. Ensuite, bah en fait c'est quasiment tout droit. Hein. J'ai le droit de remonter là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à redire aussi? Hop. Par rapport à tout à l'heure, il y a les émis apparemment sont désactivés. D'ailleurs, en parlant de ça, les émis sont désactivés. Mais ça me paraît très bizarre. Ah oui, on a aussi looté un objet inconnu. On va voir à quoi ça sert plus tard. Les émis sont désactivés. Il n'y a pas marqué combien de émis on a fait.
Je crois que j'en ai fait 4. Il y en a un qu'on a croisé qui est désactivé. Au total, il y en a 7. Non, sérieusement, ils sont. Je peux pas le voir. C'est, ça doit être écrit quelque part, mais je me souviens plus où. C'était histoire de savoir où est-ce que j'en étais sur les EMI. Repouette, Wedios. As-tu mangé? C'est ici. Oui, avant que tu finisses le live d'avant. Ça fait deux fois avant. Ok. Donc, du coup, je disais. Un chat dans la gorge. Je disais. Direction Qataris. On revient un peu en arrière pour trouver ce fameux téléportail secret. Et ensuite, on ira voir Burrata. Burenia, Burania. Burrata. L'eau est contente et vous dit bonjour. Très bien. Qataris. Alors maintenant, il faut que je descende la zone verte tout en bas. Je remonte. Ah oui, tout en bas. Puis je remonte tout en haut. En même temps, je vais pas remonter en bas. Ah non, je remonte pas tout en haut en fait. Non, non, c'est tout en bas. Attendez. Moi, je dis que je voulais aller ici, là. Ok, tout en bas du verre puis à droite. Ok. Pardon, je passe. Pardon, je passe. Pardon, je passe. Pardon, je passe. Tac, tac. Hop là. On se régène un peu. Il. Et ensuite, je suis allé un peu trop. Bah non, attendez. Si je veux aller là, non, c'est bon, c'est vrai. Quoique, j'ai un doute en fait. Non, c'est le chemin du dessus que j'ai besoin. C'est le chemin du dessus, hein. Non, hop, il s'amuse. Tac. Attendez, j'ai un doute. Pourquoi j'ai. Et non, je me suis encore trompé. Hein. Bon, on va voir. Non, je pense que c'est faisable. Voilà, c'est bon. Je reviens ici. Non, en fait, c'était bon. Bon, alors, là, il y a quelque chose. Planqué quelque part.
Déjà on clean un peu la map. Si le vert nous y autorise. Voilà. Alors il y a quelque chose de caché quelque part. Voilà. Voilà. Non ! Punaise. Comment je fais ? Voilà, comme ça. Et voici un TP orange avec une petite surprise. Regardez. Tac ! Hop là ! Ça, c'est fait. Accès ici, là où j'avais mis un petit marqueur. Voilà, le fameux TP orange. Non, je ne vais pas le prendre. Et ça nous mène loin, très loin, vers Gavoran, Gavoran, téléportail orange. Non, on le prendra après. D'abord, on finit de visiter ici. Voilà. Il y a quelque chose là. Oh, punaise. Comment je m'y rends là ? Hop là. Hop, bonjour. Comment il va? C'était Jean-Robert. Hop là, on se casse. Mais là par contre, comment est-ce qu'on y va là? C'est peut-être une idée en vrai. Voilà, comme ça. Tout simplement. Deux missiles supplémentaires dans la réserve. Nickel. Y'a rien à péter de plus, on est d'accord. Tac. Nickel. Bien. TP orange, tu nous amènes où? Gavoran, ça on sait. Mais il faut prendre le TP orange. Vas-y. Sachant qu'après je fais demi-tour. Hein. Chargement sur 20. Nous voici à Gavoran. Alors vu que le jeu il est gentil mais c'est une toute petite salle. Je pense que c'est une chose plus cachée que ça quand même. C'est étrange. Ça je récupère. J'ai peur de pas pouvoir remonter là par contre. Ouais, donc on s'en va. On retourne à la zone d'avant. On aura pris en couleur. Oui. Orange, rouge, jaune, violet. Il manque du vert et du bleu. Et une autre couleur. Et si les informations sont bonnes, une fois qu'on aura pris les TP d'au moins une fois chaque couleur, par la suite, chaque TP pourra nous amener où on veut. Et ça, ça va être très pratique. Très très pratique. On vérifie quand même, hein, mais violet dans les deux sens, c'est bon. Jaune dans les deux sens, c'est bon. Rouge et orange, c'est bon. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Il manquera vert, bleu et une autre couleur. Attendez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8.
Ok. Ok, ok. Hop là. On s'en va et on revient vers... Hop, 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 bonjour, le comité d'accueil. Il fallait que je retourne là-haut. Donc... Donc on fait ce qu'on peut. Vas-y. On sauvegarde ou pas? On sauvegardera d'Iron, je pense. C'était là. Allez, retransport. Donc, maintenant, je passe, je suis pas sûr de pouvoir sauter, j'ai un doute, mais sinon il faut passer par là, on peut sauvegarder au passage, on se régène aussi tant qu'à faire. Et après c'est en bas à gauche, obligatoirement en passant par du vert, donc vert, 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 une grande case verte. Et je voulais passer absolument par cette porte là, donc m'arrêter au milieu à gauche de la grande case verte. Ah si, je peux passer. On se gêne. On sauvegarde.
mais attendez, il y a un petit truc qui est pas clean là. C'est pas propre ça. On va le nettoyer. Voilà, c'est mieux. Je préfère ça. Bien, maintenant que je suis au milieu de la grande case verte, je dois aller en haut. Et voilà. Et ensuite, c'est tout droit. Ça, c'est toujours pas vivant au final. Hein. Ça me fait flipper. Depuis qu'on l'a croisé la première fois. Pourquoi je voulais aller là, moi? Si, re-sauvegarder, c'est utile. Bonjour le dash. Et on prend le transport, c'est parti. Direction Burrata. À quoi pense Samus durant ces temps de transport quand même. Alors, avant d'aller affronter le monde, on devait faire quoi ici? Un TP vert qu'on n'a toujours pas débloqué. Il y a un truc ici à ouvrir, on peut le faire. Je suis là. Il y a un module d'énergie qu'on peut peut-être récupérer là. Ensuite, ouvrir ce passage là. Et de toute façon, il faudra aller au marqueur jaune. Là, il y a un truc à ouvrir peut-être. Je pense que c'est dans l'autre sens, mais à tenter. Et il y a un truc à ouvrir ici. Et pour accéder ici, sachant que tout ça, c'est de l'aquatique. J'aime. Si je peux descendre par cette porte, très bien. Hop là, c'est parti. Ah punaise, c'est vrai qu'il y a des ventilateurs ici. Ah mince, c'est deux coups ici. Faudra que je fasse gaffe en arrivant dans l'autre nouvelle zone. Ah mais attendez, je peux récupérer ça maintenant. Voilà. Et ça ne m'avance pas plus que ça. J'ai récupéré un truc contre. Thank you.
Raté. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais il y a quelque chose dans l'idée. Passe bouton. Passe bouton. Passe bouton. Naze. Quel bouton? Samus. L. Ensuite appuyer sur B. Incliner vers le bas. Alors, ensuite appuyer sur B pour l'activer avant d'incliner L. D'accord. Et bien j'appuie sur B. Ça marche pas, hein. Ça veut pas. Je sais pas comment ça peut fonctionner en vrai. Ah, j'ai tenté un truc. Pas comme j'avais envie. Bon, j'irai quand même récupérer ça, c'est pas mal. Ensuite, il faut. Je pourrais faire le tour. Voilà, passage. Il est ouvert ou pas? Oui, il est ouvert, passage ouvert. Donc le marqueur, on peut l'enlever. Il faudrait que je descende. Je passe par cette porte. Alors, ça je l'ai récupéré. Je descends là et je peux passer par où? Faut que j'aille jusqu'à la sauvegarde. Non, pas lui! Pitié! Ils m'ont pas suivi, non, c'est bon. Faut que je remonte d'un cran. Voilà. Tout ça pour ça. Bien, maintenant que ça c'est fait, que ça c'est ouvert, je pourrais tenter de voir ce qu'il y a ici. Non, ça c'est verrouillé, verrouillé. D'accord. Donc ça sera plus tard. Via le TP vert d'une autre zone, du coup. Faut que je remonte. On peut enlever le marqueur d'ailleurs, je pense. Je remonte par où?
Là, c'est un peu haut. Hein. Je vous fasse demi-tour comme ça. Je repasse par la sauvegarde. Je passe par l'ascenseur. Tac, tac, tac. Allez. Et dans la grande salle, il n'y a rien d'autre à débloquer là ? Apparemment, non. Bouger de faire le tour. Ça me fait tellement peur cette bête à force. Je peux pas m'accrocher là. Je peux vraiment pas. Bouger sur le grand tour, donc en gros j'ai pris des dégâts pour rien. Je suis obligé de faire le grand tour, punaise. Bon bah demi-tour. Non, reviens. Ah oui, c'est vrai. Non, comment, comment. On peut re-sauvegarder en vrai. On ne sait jamais. Il va y avoir plus tant de jeux de sauvegarde que de tant de jeux tout court. Alors, ascenseur sur la gauche. Ça m'a touché quand même, d'accord. Maintenant que je suis ici, il y avait cette chose là-haut. Hein. Là, il y a un truc à faire. Il y a forcément un truc à faire. 6 minutes. Non, c'est forcément le carré là-haut. Là. C'est forcément le carré là-haut. Comment faire ? Je sais. Comme ça. Voilà, tout simplement. Ah ! Alors c'est moins tout simplement. Et là, Samus, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Et c'est bon, j'ai récupéré ce que je souhaitais. Enfin ! Il n'y a rien d'autre à péter. Non. Régénère par contre. Il n'y a pas quelque chose à cacher là ? Non. Plus. Non. Il y a un truc là-haut. J'ai vu un truc là-haut. Je sais pas trop ce que ça a fait.
Mais c'est le truc que j'avais déjà fait tout à l'heure, ça avait pas save ça? C'est bizarre quand même. J'ai de ma vie hein. C'est gratuit, j'en profite. Ça régène même rapidement ce truc, c'est pratique. Je suis sûr que c'est fait exprès. Allez, on est à 4 vies sur 5. Non, par contre, faut pas que je la repère sinon. Ah, oh, il y a lui qui va me poser problème. Oui, oui, on régène, oui, oui. On a vu le prochain monstre. Je sais pas du tout le gérer. On régène, oui. Comment je vais le gérer? Voilà pourquoi. On passe, on disparaît. Bon, faut que j'aille là-haut, mais avant ça, une sauvegarde s'impose. Comme toujours. Ils seront encore pop, je suis sûr. La vie que j'ai perdu quoi. Voilà ce que je regagne, c'est affreux. C'est que les munitions ça. Alors là par contre, est-ce que je peux faire ça? Et non, voilà, là c'est bien dans l'autre sens. Donc ce marqueur, je suis obligé de le laisser et ça sera pour plus tard. Il fallait que j'aille au marqueur jaune, donc bien. Et là? Non, c'est bon, le monstre apparaît pas. Donc maintenant qu'il y a un passage, je vais à gauche ou à droite? Entre un truc ou un truc. Tout à l'heure il était rouge hein, le machin. D'accord. Donc maintenant on a des petits monstres qui font des AOE. Génial. Non, sérieux, je peux pas monter? Non, c'est une blague. Quand même. Non, il n'y avait rien à faire ici. Très bien. On va quand même jeter un œil de l'autre côté avant de prendre cette porte. C'est sûr. C'était une évidence. Alors par contre, faut que j'arrive à ressauter. Ça, ce sera une autre affaire. Petite réserve de missiles.
Mais ça sert à quoi ça? Ça servit à rien. Une blague? Ah non, punaise, là, pardon, je l'avais pas vu. Et non, c'est. Il sera de l'autre côté, d'accord. Bon, on met un marqueur bleu dans ce cas. Donc, il y a quelque chose de caché ici. Mais il reste à savoir où. Ah, mais là, ça va. Je vais rejoindre le marqueur bleu que j'avais mis de l'autre côté, du coup. Ça, c'est chouette. Je perds toute ma vie. Oh! Est-ce que Adam va être là? Non, c'est la carte. C'est si grand que ça? C'est si grand que ça? Punaise, je croyais que c'était une petite zone, moi. Bon, en gros, là, faut que j'aille par en haut. Je vais pouvoir ouvrir ici, ça c'est chouette. Là où il y a une autre sauvegarde avec un autre transport qui va m'amener à la zone du dessus là, je sais plus comment elle s'appelle. Gavoran. Mais en bas, tout ce qu'il y a encore. Il y a cette porte, je sais pas la gérer. Le TP vert. Là il y a un bloc bombe qui m'intéresse pas. Non, il m'intéresse pas. Ici, il y a ce passage-là qui m'intrigue. Je suis sûr qu'il y a un autre passage quelque part par là. Par contre, que ce soit si bas... Ça doit être une salle de boss, je sais pas pourquoi. Et là-bas, il y a un autre transport encore. Ah oui, Burania, on en a pour un moment en fait. Je pensais que ce serait plus court que ça. Voilà. Est-ce que tu régènes la vie, toi? Je sais plus. C'est que les munitions, ouais, c'est ça. Allez, on monte. Je peux tirer à travers. Et oui. On peut aller dehors ou pas? Non. Là, il y a une porte. Là, il y a un dash. Il sert à quoi, ce dash? Pourquoi il y a un dash là? Non, c'est une porte, ça va, j'ai eu peur. D'accord. Ok. Mais non. C'est pas gratuit ça, sinon ils auraient mis un plafond. Pourquoi il y a ça? J'arrive même pas à poser, à me mettre en boule, ne serait-ce que pour me poser une petite bombe. Mais je vais me dire que le dernier carré est aussi un bloc fragile. C'est pas gratuit ça. C'est pas gratuit. Quel intérêt.
pas à aller au-delà du machin. Ou alors faut que je me pose sur la porte. Non, j'étais sur la porte et j'ai bougé. Voilà. Et non, c'est aussi un bloc précipice. Comme je le pressentais. Ok. Mais pour moi, ça, c'est pas gratuit. Oh, punaise, en haut. En haut, je pense qu'il y a un truc en haut. Bon, observons ça. Tout droit. Tout droit. Non, Samus, non, non, non. Je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir. Était gratuit. Passe, 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 passe. Ok. Il y a quoi en haut là? Des missiles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien. Il y a un grand tentacule là, c'est quoi ça? Ça bouge hein? Ça bouge cette chose. C'est une salle de boss? Non. Bah oui, ça marche. Et oui. Crever encore une fois. Il n'y a plus de vie du tout. S'il y a le boss maintenant, c'est la panade.
Mais le machin il est là. Il a volé quoi. Il a volé. Non, non, sérieusement. C'est flippant. Oh, la petite régène. Allez. Allez, donnez-nous de la vie, des munitions. Tenez, tenez le boss, tenez. Oui, oui, c'est une salle de boss, ça. Il y avait un truc qui bougeait tout à l'heure là. Il y a des tentacules de partout. Le truc il va être énorme. Énorme. Non, non. Idiot. C'est bon, je suis refoule vie. Allez, non pas cinématique. C'était un peu trop. Allez, voilà, cinématique. J'en étais sûr. Non, non, pas sous l'eau par contre. Hein. Pas un boss sous l'eau, hein.
d'abord tentacule rose. Taper les rouges. Ah, rouge, c'est du rouge, punaise. Qu'est-ce que ça fait, ça? D'accord. Il y a un truc là-haut, là. Je peux m'agripper. Je sais pas si je lui fais des vrais dégâts. En fait. Je pense que je fais un peu de dégâts. Mais pas tant que ça. Mais j'ose pas taper au missile pour le moment. Là c'est lui qui me fait des dégâts par contre, juste parce que je suis nul. Kill-moi. C'est gentil. Ah, phase 2, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Oui, encore plus lent, bien sûr. Non, d'accord, c'est plus les missiles qui font les vrais dégâts. D'accord. Ok. Pas tout compris, je vous avoue. Une phase 2, mais d'accord, mais je fais quoi moi de cette phase 2 en fait? Je ne suis même pas passé en fait, c'est ça le truc. À quoi me sert le machin là-haut si je peux pas passer?
vraiment pas ça. Ça, ça tourne. Ah! D'accord! Ok. Ok, donc là je suis en vraie phase 2. Bon, là je prends des dégâts. Non, peut-être oui, je prends des dégâts. Très bien. Ça, c'est pratique. Ah non, c'est tout, c'est déjà beaucoup en fait. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Retentacule. Ah non, il remet l'eau. J'ai plus beaucoup de munitions. Vite, 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 vite. J'ai plus de munitions. J'ai plus du tout de munitions. Génial, je suis content. Vite. Non. Ah, 1, 2, 3, ok. Ok, c'est génial, mais en fait, j'aimerais plus de munitions, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est très bien. Ok, re les tentacules. 1, 2, 3. Ok. Descendez plus que ça, s'il vous plaît. Des boules de feu dans l'eau, hein, on remarquera. En bas, 1, 2, 3. Non, raté. 1, 2, 3. 1, 2, 3, punaise. Comment voulez-vous compter quand les trucs sont jamais pareils? En fait, je pense que c'est mieux de faire un tir chargé sur les attaques là-haut. Ok. Celui-là j'ai esquivé. Celui-là non, celui-là oui, peut-être, je sais pas. Ok. Vite.
Dégueulasse. Oui, c'est fini. Non? C'est qu'un trou, c'est rien, c'est rien. C'est un boss terminé. Bon, boss terminé et c'est tout. C'était Drogiga ou Drogiga ou Drogija ou Drogija. Je sais pas. Donc on descend. Ah, ça c'est une rigolade, très très rigolo ça. D'accord, on va falloir faire Spider-Man jusqu'au bout. Ok. Mais il y a un truc ici en fait. Oh là. Alors, juste une chose, c'est juste une réserve de missiles. Les tentacules sont passés tout secs ici. Et lui prend pas de dégâts. J'ai toute ma vie, mais j'ai pas toutes mes munitions. Bon, c'est le problème. Faut monter, hein, c'est tout. Rigolo le jeu. Et oui, de partout hein. Punaise. Partout, partout, sérieux? Si je lâche là, voilà, là c'est bon. Alors, on a cassé un accès ici, mais avant ça, on a quelque chose là. Sauvegarde. Qu'on change de zone. Hein. Direction Gavoran. Mais il y avait tellement de choses à voir ici en vrai. Ça, je peux l'enlever.
Il y avait tellement de choses à voir. Que je ne peux pas voir, parce que j'ai pas accès. Enfin, il restait que ça, il restait que tout le sud, tout le bas, mais pas accès. Oui, bon, ben, on change de région. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Très bien, nous sommes à Gavoran, mais nous sommes où à Gavoran? C'est très... Il y a plein de papillons partout là. Ok, ils ont peur des armes. Où sommes-nous à Gavoran? D'accord. J'ai même pas le contour, quoi que ce soit. Très bien. On peut aller là, on peut aller là. Non, on peut pas aller là en fait. C'est quoi comme truc ça? Rayon de puissance. Point d'interrogation. Donc ça je peux pas casser. Très bien. Prochain pouvoir, c'est le vert. De l'eau ou pas de l'eau? Mais si je retire ça, ça va me bloquer ce passage en fait. Génial, des trucs dégueulasses. Deux coups, c'est fait. Il y aurait ce passage là si. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un petit truc là ici? Dans l'eau ça fonctionne pas pareil par contre hein. Bon. Pour moi il y a quelque chose ici. Allez, au revoir, passage bloqué. Et puis passage bloqué, sinon c'est pas bon. Je vais aller en bas. Si la plante carnivore, c'est le prochain boss, ça me rassure pas des masses. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! Il est de retour! Il a piqué mon armure en plus!
Je sors d'un boss pour faire un boss, sérieux le jeu quoi. Ah oui, je peux même pas sortir quoi que ce soit quoi. Bon vas-y, tue-moi, je vais reprendre l'infini, ça je repars sur une base. La caméra me bloque sur le boss en plus. Elle est où la sauvegarde? Le retour du soldat robot quoi. Mort, allez. Il est... Bon, ben, soldat robot chorizo 2, battu. Voilà. Écoutez, j'ai rien d'autre à dire. Il est battu. Mais l'araignée, par contre... Ça régène de la vie, ça, ou pas? Recherche totale. Descendre juste pour visiter. Le jeu est très beau quand même, hein. Que ce soit sur le design de la nature, de l'eau, de l'espace, enfin de tout, tout. Le jeu est vraiment très très beau. Je trouve que c'est un très très beau Metroid. Ça change énormément par rapport à ce qu'on a pu voir il y a 30 ans maintenant. En même temps, les technologies avancent. C'est très surprenant. J'aimerais une sauvegarde par pitié. Qu'est-ce que c'est que ça? Une porte est mise, ça faisait longtemps. Allez.
Normalement c'est censé désactiver, mais mieux vaut avoir peur. Ça va traîner. Il est derrière, là, regardez. Il est prêt à bondir. Il est réparé. Moi, je vous dis, il est réparé. Hein. Je vais faire demi-tour, en vrai. Hein. On va voir la zone plus jolie. Beaucoup plus agréable. Je vais laver. Bon, obligé de passer par là. Ah mais maintenant il y en a deux. C'était de qui là? Bon attendez, juste pour savoir. Tout ça pour une réserve de missiles. Madame.
Bon, allons affronter l'ennemi qui, je suis sûr, qui est actif. Hein. Pourquoi il serait comme ça? Il va bouger, je vous le dis, il va bouger. Le jeu a été fait pour ça. Bien pratique ces choses pour régénérer. Salle de boss ? Sauvegarde. Et du lore. Samus, tu t'approches de la surface. Cette zone, Gavran, semble être une forêt souterraine. Les ennemis ont été désactivés. Mes becs de corbeau désirent toujours obtenir l'ADN de Metroid qui est en toi. J'ai analysé l'historique vidéo de votre rencontre à ton arrivée. Tu ne faisais pas le poids face à lui, et c'est toujours le cas. Il est vrai que tu as retrouvé plusieurs de tes compétences de combat. Cependant, mon analyse suggère que tu n'es pas à sa hauteur, même au maximum de ta puissance. Une chose m'échappe toujours. Pourquoi Bec de Corbeau t'a-t-il épargné lors de votre rencontre? Il devait avoir une raison. Je sais pas. Je ne peux répondre à la question de Adam. Ah bah tiens, le retour. C'est du sens unique, par contre ça je m'y attendais pas. Remonte, s'il te plaît. Baleine qui vole.
Là c'est fermé. J'aimerais repartir par là, mais... Surtout qu'il n'y a pas grand chose là. C'est juste pour de la map. Ah bah un transport, dis donc. Mais si j'ai un transport, c'est pour partir. Sauf que... ne pourrais-je pas revenir ici? Dans ce cas, si je reviens, c'est par Burenia. Je passe par là, je remonte. Attendez, je réfléchis. Pour refaire tout le tour. Faudrait refaire tout le tour, repasser par là. Et là, peut-être que j'ai... Mais non, parce que c'est fermé là, en fait. Là, j'ai fermé l'accès. Donc, je ne peux pas y retourner. Donc, je n'ai rien d'autre à faire que partir pour le moment. Et je reviens là-bas, à Deron. Je vais arriver par quel côté? Eh bien nous voilà à Deron. Ah j'arrive par là. Ok. Allez le froid. La bombe le froid. Ouvert un accès, d'accord. On va falloir passer par là-haut. Peut-être est-ce que je vais avoir un pouvoir avec un chorizo. Ne me dites pas que c'est une régène complète. Il y a un truc intéressant tout ici. Module d'énergie. Ok. Mais ça ne m'aide pas. Je suis obligé de passer dans le froid là. Je vais pas tenir en fait. J'ai pas l'armure qu'il faut. Ok, vous me mettez une régène, c'est génial, mais... Il y a un passage là, c'est ça? Non. Et la sauvegarde, elle est méga loin. Méga loin. Si je reprends Gavoran, c'était. Donc, je vais à Gavoran. Et je peux pas retourner en arrière sauvegarder non plus. Parce que là j'ai pas l'outil pour ça. L'outil le vous l'avez compris. Je suis obligé d'aller me pelier les miches. Alors, étudions ça. Ici il y a du bleu pour remonter. Là, je vous comprends pas ce système-là, comment remonter là, en vrai. Ça a l'air très pentu. C'est pas possible, il y a forcément un passage ici, là.
Vous allez me faire jouer sur la course, c'est ça. Mais je sais pas la gérer, je vais mourir tout le temps en fait. Je peux remonter par le haut. En même temps, je force à remonter par le haut. Si je remonte par le haut, c'est pas par le bas. Ah, il y a lui en bas aussi qui va m'embêter. Allez, on sauvegarde. Ça faisait longtemps. Bon, pourquoi tu m'as ramené là, le jeu? Très sérieusement, pourquoi tu m'as ramené ici? Là, il doit y avoir des choses. Pourquoi est-ce que tu m'as ramené là? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il m'a ramené là? Pas mis de marqueur hein, spécifique. Il y a bien cette chose là à récupérer que je ne sais pas ce que c'est. Là il y a un truc. Là, il y a un accès verrouillé que je ne comprends pas. Pour ici. Pourquoi est-ce qu'il m'a ramené à Dayrun? Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? On peut l'enlever d'ailleurs. Là il y a une réserve de missiles que j'ai pas récupérée. Ici là. Là il y a plein de choses pas terminées. Là il y a le bleu sur lequel j'ai pas accès parce que j'ai pas ce qu'il faut pour aller là-dedans. Même si je pense qu'il y a des choses qui peuvent être cassées là. Là-haut, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ici. Ah, je pourrais aller là. Je pourrais ouvrir là. Tac, tac. Il faudrait peut-être que j'aille là-dedans, hein, à Qataris. Ça me ferait arriver de là. Qu'elle est fermée.
savoir, on m'avait coupé la chic ici quand même. Là, il y a un TP vert. Ferenia, j'ai rien fait, j'ai juste mis les pieds. Et j'ai accès à rien d'autre en fait à Ferenia pour le moment. J'ai accès à rien d'autre. Unité centrale. Il va falloir que j'aille à Ferenia pour activer l'unité centrale. Mais j'ai accès à rien d'autre. Il faudra accéder à Ferenia d'une autre manière. Ou tenter de passer par là. En vrai, tenter de passer par là. J'ai tout fait là? Non, j'ai pas fait Artaria. Je sais pas pourquoi je retourne voir Artaria là. Blindage, missile, détruit. Il y a un marqueur ici. Il y a un marqueur là pour récupérer une grande réserve de missiles sur laquelle j'ai pas accès. Je pourrais ouvrir cette porte là. Attendez, on peut faire ça en fait. Mais j'arriverai d'où? Je suis à Daeron, hein. D'accord, ça m'a ramené à Daeron. Donc si je veux accéder. Il est où le TP? Il y a un TP rouge. Mais pour ça, pour remonter, je peux pas aller là. Non, parce que oui, toute cette zone, elle est bloquée là. J'avais dit que je m'étais bloqué. Donc, là, ici, je peux pas y aller. Punaise. C'est fou, je pourrais plus du tout y retourner. Donc ça, pour l'instant, entre parenthèses. Là, il y a des choses que je ne comprends pas. Là, il y a du froid. Et en vrai, le froid, là, c'est une petite zone de froid. Hein. Donc, je pourrais peut-être m'aventurer là-dedans. Peut-être. Donc, je pourrais peut-être retourner là-dedans. Ici, il y a quoi? Ça, j'ai déjà récupéré. Donc ça, je peux l'enlever. Donc, je pourrais retourner à Artaria pour voir cette zone-là en bas. Il y a un blanc. Ça aussi, il faut l'enlever. Donc, j'ai dit Artaria, Kataris. J'avais dit quoi? Je m'en souviens même plus. Ça y est. Il y a ça, mais je sais pas comment y accéder. Il y a un truc là. Bleu, j'ai pas accès. Il y a ça là-haut. Donc on peut aller à Kataris. Faut que je trouve un autre moyen d'accéder à Ferenia que par ici en fait. Et ici à Daeron. Soit je traverse pour aller là-bas. Soit je trouve un TP pour aller à... TP jaune. Il est où le jaune? Il est aveugle ou... Ah ben il est sur le chemin. Bon ben direction...
ramène ici. Et moi je voulais aller tout à... je sais plus. Tout en bas. Oh putain. Soit je reviens de Qataris. Soit je reviens de là. Ce sera plus intéressant de prendre le TP jaune. Là il faut que j'aille à droite. Allez, go. Et ensuite, je devais aller tout à droite. Je descends par où ? Par le vert, hein, c'est ça. Ça pour ça. Il y a encore une énorme zone ici. Tout ça pour ça. Non. Ah, accessible du coup par en haut. Par contre,
Non, tu restes là, toi. Ah, oh, punaise. J'ai pu avoir assez de missiles à un moment donné, en fait. Reviens, le bloc. Et voilà. Et là, je me replante. Je me replante, là. Je pense que cette petite énigme consiste réellement à casser les blocs, puis à attirer le machin comme ça. Et le rose, là, il repop à une vitesse. Si, après, je pourrais grimper. Je mets là. J'ai quand même un doute. Il est déjà... Bon, allons-nous-en. Je vais juste me faire un truc là. Marqueur. Jaune. Le bleu, celui-là, on l'enlève. Non, on va où? On va à Artaria, j'avais dit. Par le TP jaune qui se situe loin.
Mais je viens de par là, donc on va y arriver, hein. J'espère. TP jaune, je dirais. Plus long les charges, non. Bon, maintenant que je suis ici, je vais où? Dans la zone froide. Zone froide. Pas tout à fait ce que je visais en vrai. J'aurais voulu passer par l'autre côté. Non, je descends. Ah, mais il y a un petit truc là en fait. On va aller voir ça. Voilà. Ça, 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 ça.
descendre d'ici, oui. Puis là-bas. Là, je suis pas en zone froide encore. Là, ça sert à rien de régénérer. Tout droit. Ok, et là, c'est tout droit à gauche en bas. Voilà. Ça, c'est fait. Sûr. De l'énergie. Cool. Il y en a partout de ces choses-là. Une zone, je pense, boss ou... Attendez, c'est une sauvegarde ? Je suis pas sûr. Allez, go. Voilà. Ah, on est toujours en zone froide, on se casse. Ok. Bon. Comment faire ? Un ventilateur. Comment faire, comment faire? Ça, c'est pour casser ça qui ouvre ça. Sûrement un truc caché d'ailleurs. Je pense qu'en vrai ça sera par l'autre côté. Donc il va falloir s'aventurer en zone froide. Donc en zone froide, il faut monter. Je reviens au TP, j'ai pas ça. Non, j'ai pas. Quand même mal chercher la sauvegarde.
ça au passage. Pourquoi je... Je suis sûr que j'y étais. On demande la régène. Ouais, alors c'est 99. Là, j'arrive là. En quoi je meurs? J'ai juste ouvert une porte. J'essaie de continuer à monter, je suis encore en train de continuer en montant, mais j'ai juste ouvert une porte. Je
3 rangs de stade, c'est beau. Mais je comprends pas cette mort là en fait. Dans tous les cas, c'est pas par là qu'il faut aller. C'est pas par là qu'il faut aller. C'est pas par là qu'il faut aller. Je sais pas. Là, pour moi, c'était un passage parce que je sais pas exactement où je dois aller. Là, il y a une zone de TP, enfin de transport du moins, qui me semble intéressante. Là, je supposais qu'il y a une sauvegarde parce qu'il y a une case à côté. Ou une case de TP plutôt. Ou un ascenseur, plutôt une case ascenseur. Une case ascenseur. Sinon, en vrai, je ne sais pas où aller. Hein. Je ne sais pas du tout. Faut que j'aille ici. Ça, je veux bien. Faut que je continue les Gavoran. Je comprends bien, mais par où et comment? Le seul moyen, c'est là, j'ai pas ce pouvoir là. Je n'ai pas ce pouvoir là pour le moment. Ensuite, en passant par là, en passant par le TP orange. Peut-être le TP orange en vrai, ouais. Mais il y a aussi ici. Là, j'ai un truc. Il faut que je récupère ça là-haut. Mais à Farenia, pour le moment, pareil. Je n'ai pas d'accès à là-haut. Du coup, je dois accéder à Farenia par un autre moyen. Ici, il y a bien une pièce à... Ouais, il y a une pièce de froid ici. Ouais. Par Deron. Farenia par Deron. Ouais, allez, Farenia par Deron. Je retourne à Deron et Deron, c'est au nord. Passer à droite. C'est rigolo. T'as pas le droit de rater un seul saut. Ouais, mais il faut l'armure de glace. En fait. Pourquoi je passe par là? Pourquoi je voulais passer par là?
la gauche. C'est pas par là. Ah si si c'est bon. Il y a ça là où je sais pas à quoi ça sert. Bon, je suis à des ronds et je vais aller. Bon, retour à Ferenia. Du coup, il faut faire tout le tour. Hein. Là, j'ai pas le choix.
module énergie que j'aimerais récupérer. Je ne vois pas comment le récupérer en vrai. Il y a un truc intéressant tout là-haut. Tout là-haut, il y a un truc intéressant. Bon, allez, on descend. Il y a pas un... Il m'a fait flipper encore une fois. Il y a un petit truc là, quand même, ici. Mais je peux pas remonter. Je ne sais toujours pas l'utiliser ce machin, j'y arrive pas. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon, au moins c'est... Et j'ai pas toute ma vie. Je vais m'amuser. Punaise, y'a rien à y faire, sérieux? Ça sera cassé par en haut. Je suis venu, j'ai perdu la vie pour rien. J'ai fait tout ce que je pouvais là-dedans.
par le passage orange. Passage orange qui se trouve à Qataris. On va y arriver. Là, c'est une session où j'avance pas beaucoup. Cet après-midi, il y a beaucoup d'avancées, mais là. J'ai dit qu'il fallait que j'aille à Qataris. Par contre, il me faut de la vie aussi au passage. Je suis pas contre un peu de vie là. Voilà, ça c'est la vie. Maintenant TP orange. Je descends. Je passe par là. Je peux pas monter là. Je suis obligé de passer par. Mon Dieu, le grand tour que je dois faire. Bon, on va se débrouiller.
Voilà. Bon, par contre, le passage ici, faut que je le connaisse un peu mieux parce que je le connais pas. Je peux repasser par là. Bonjour. Et passer par là. Du coup. Et pour passer par là, ça sert à rien. J'ai obligé de faire le grand tour. J'ai pas le choix que de faire le grand tour en fait. Je suis pas contre une sauvegarde. Là nous avons quoi de ce côté? Rien d'intéressant. Allez, passage orange. Passage orange. TP orange. Vers Gavoran. J'ai pu passer de ce côté. Je voulais tomber, mais en fait. Cinématique. Un pouvoir. Mais non. Si c'est le pouvoir du froid. Au secours. Radar à impulsion, qu'est-ce que c'est? Une compétence qui permet à Samus de scanner tout ce qui l'entoure à l'aide d'une onde sonore spéciale pour détecter des blocs cachés. Utilisez-les lorsque la jauge est pleine, maintenez ça pour activer. Ok. Je suppose que là je suis obligé de l'utiliser sinon c'est pas drôle. Ok. Et là j'ai le choix de monter ou descendre. Peut-être dû aller à droite. Et oui. Ok.
Comment vous voulez que je le récupère, ça, en vrai? Je dois faire demi-tour. Faut quand même pas que je ressorte. Ok, j'ai un pouvoir, mais... J'ai un pouvoir qui me sert pas. C'est chouette, hein. Même le... Je sais pas. Je pensais que la soluce que j'ouvre une fois, rarement pour m'aider, notamment pour le TP orange, m'aiderait plus. En fait, elle me dit rien du tout là. Elle me dit vous avez fait le boss, c'est génial. Complètement bloqué, paumé. Ouais, même là-haut, je peux pas y aller.
Eh bien, il ne me reste qu'à prendre le portail orange parce que de toute façon, il serait ici. Je suis perdu. Totalement. Donc, je peux accéder à Gavoran par Burenia ou par Dairon. On va revenir à Dairon. Poser à cette sauvegarde, je pense. Et pour ça, voir en sortir. On va recroiser notre camarade. Salut. Et je voulais aller à... Finesse, à l'autre bout du monde.
Putain, là, faut pas que je me plante. Voilà, tout droit et en bas là. On va y arriver. Là, faut que je retourne à Gavran, donc faut que je monte. De bloc ici. Comment ça se fait que je l'avais pas pris ça? Sérieusement, quand même.
Riva Gavoran, je sauvegarde et je vais arrêter là. Je tourne beaucoup trop en rond là en vrai. Donc je ne sais absolument pas quoi faire, à moins de tomber sur un truc un peu par hasard, comme le pouvoir là dernièrement. Sauvegarde là-haut. Là, je suis obligé de passer à gauche. Je ne peux pas passer à gauche. Et j'y accède comment? C'est gentil le jeu, mais... Une réserve de missiles. Pour rien, je peux absolument rien faire. Donc en gros, faudrait que je vienne à Gavoran par d'ailleurs, par Dairon. Bah oui, par Dairon. Évidemment, par Dairon. C'est ce que je m'étais dit juste avant, quand même. Très fun. Cet après-midi, Stéphane. Là, je reprendrai mardi, je pense.
bon, machin, Gavran, par là-haut, par la zone de froid, tiens donc. Il va falloir utiliser le grappin. Ah, il y a ça que je peux pas. Pourquoi je peux pas l'enlever ça? Pourquoi je ne l'ai pas enlevé en fait tout à l'heure? Après lui il m'embête depuis tout à l'heure. Voilà. Au moins il est plus là. Normalement il devrait plus revenir. J'ai oublié de passer par le froid. Ah. On va passer par en haut plutôt. Par le froid, mais pas en haut. Il y a un passage là-haut, punaise. Je sais pas à quoi m'accrocher là par contre.
Alors, j'ai dit trouver une sauvegarde. On va faire au possible. Nouvelle zone, génial. Oh, le chorizo, punaise. Qu'est-ce qu'il va m'offrir? Un super missile. Plus puissant du missile. Un tonnerre. Et là, ça peut détruire les machins verts. Bien, je vais pouvoir avancer. Là-bas, c'est là où il était bloqué. Oh, punaise, il y a du monde. C'est une grande salle et il y a du monde. La baleine. Ok. Baleine. Ah, peut-être par l'autre côté. Un transport, génial, vers où? Vers je ne sais où. C'est quoi cette petite zone?
vers Elin. Très bien. Ça serait bien de sauvegarder quand même avant d'aller à Elin. Il y aurait la baleine. Aller là. C'est pas très loin. C'est pas le même. C'est pas le même. Mince. Mais par contre, non, là c'est pas le même non plus. Pas de mille. Tout simplement. On ira à Elin la prochaine fois, va. C'est mieux, je vais arrêter là. Parce que j'ai, je commence à avoir mal au dos en plus. Donc je m'arrête là. Je vous dis pour ma part à mardi. Comme ça je ferai Metroid mardi après-midi. À partir de midi à peu près. Il y aura d'autres choses dans la semaine. Lundi après-midi vous avez Yakipon sur Skull, Zero Slayer. Lundi soir vous avez Draken sur la fin de la planète au trésor si je me trompe pas. Je crois. Et d'autres choses arrivent dans la semaine. Voilà. Passez un agréable week-end. Suivez Yvassin sur les différents réseaux. Rejoignez le Discord. Passez une agréable soirée, un bon week-end. À la semaine prochaine. Cordialement, bisous.